back for un ballon. Press all of the air out. Really stretch your back. Good. Eight years ago, I founded an organization that we called Opera Knots, and it was with a certain mission of taking opera to Congo. Premier contact avec la musique lyrique. On avait l'habitude à la maison d'écouter des bandes cassettes avec cette musique, donc j'étais déjà liée à ça. Figaro, c'est un peu, bon, de façon résumée, c'est un peu ce malin qui essaye de s'accaparer de la femme du comte. Let's go around et parle de votre personnage. Le principal trait de Figaro, c'est la ruse. Il est rusé, il est aussi amoureux de Suzanne. Ce qui m'attire dans la musique opéra, d'abord, c'est les scènes, la façon d'exprimer les émotions, même à travers des mimes, ça m'a toujours attiré. In quale maniera? J'écoute plus l'opéra que d'autres styles. C'est devenu comme ma vie. Mon rêve le plus ultime, c'est de devenir chanteur d'opéra. J'ai été en premier contact avec la musique lyrique depuis 2011. Un morceau de musique classique, le canon indie. Et c'est par là que je me suis dit, mais waouh, ça c'est quelle mélodie, ça, je ne l'ai jamais entendue. Des choses que vous avez appris. Ce que j'ai appris aujourd'hui, d'abord, c'était la justesse. Et puis la façon aussi qu'on prononçait les mots avec la vitesse du chant. En tout cas, c'était avantageux. Bonjour, je suis Joy Berkeley, soprano. J'ai passé une semaine merveilleuse ici à Kinshasa avec Opera Knots RDC. Les jeunes artistes lyriques qui chantent pour vous ce soir sont très talentueux. Et sans y